Bonjour à tous. Hier, nous avons fait un 5 sur 5 en tennis sur 2 jours. Nous avons fait 11 pronos gagnants sur 11 en tennis. C'est exceptionnel et on a énormément empoché. Voilà. Tout le monde a empoché puisque dans les commentaires, beaucoup ont joué leurs pronos et sont passés aussi. Donc on peut jouer différemment et gagner. Mais en gros, nous sommes 11 victoires. Vous vous rendez compte? 11 pronos gagnants. C'est super, les gars, c'est super. Donc, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo. C'est très important. Nous sommes à 84 likes. Donc, c'était un record hier. Il faut battre ces 84. Donc, explosez-moi ces 84 likes. Vous passez devant, vous likez, les amis. Ça aidera pour l'algorithme, pour la chaîne et surtout pour mes efforts. Donc, et n'oubliez surtout pas, bien sûr, pour ceux qui viennent d'arriver, de vous abonner et de cliquer sur les notifications. Donc, allez, on y va. Corda face à Alcaraz Garcia. Nous sommes donc à Monte-Carlo. Donc, j'en ai 8 à vous proposer, plus un match de Ligue des Champions, enfin. Voilà, en fin de vidéo. Corda face à Alcaraz. Victoire d'Alcaraz à 1,24. J'espère que ça passera. Sait-on jamais avec ces matchs, vous savez, quand c'est trop facile, faut faire attention. Voilà. Bon. Ensuite, Albert Ramos-Vinolas face à Cameron Norrie. Albert Ramos-Vinolas gagne au moins un set dans le match à 1,50. Lorenzo Sonego face à Laszlo Djere. Lorenzo Sonego gagne au moins un set dans le match à 1,26. Hubert Hurkacz face à Pedro Martinez Portero. Victoire de Hurkacz à 1,46. Fritz face à Cilic. Victoire de Cilic à 1,57. Russuvori face à Sinner. Victoire de Sinner. David Goffin face à Daniel Evans. Daniel Evans gagne au moins un set dans le match à 1,49. Fucsovics face à Schwartzmann. Victoire de Schwartzmann à 1,36. Voilà pour le tennis et nous allons attaquer la rencontre de Ligue des Champions. Atlético Madrid face à Manchester City. Et là, moi, je tente le coup, les amis. Je mets une petite pièce juste dessus. Voilà. Je mets une petite pièce, je tente. Voilà. Hein. C'est peut-être pas ce que je vous indiquerai à pronostiquer. Mais moi, c'est ce que je vais faire. Pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas? L'Atlético Madrid qui gagne pendant le temps réglementaire. Voilà, à 5 contre 1, pourquoi pas. Donc voilà, je vous ai proposé énormément de matchs, picorés, hein, ne jouez pas tout, hein, vous savez très bien que peut-être qu'il y a des matchs, des rencontres qui ne passeront pas. Donc voilà, picorés, attendez aussi peut-être les commentaires, parce qu'il y a des gens qui savent aussi très très bien pronostiquer. Donc attendez un petit peu que les autres pronostiquent, discutez entre vous, communiquez. Mettez vos pronos aussi. C'est très intéressant d'avoir un autre point de vue. Donc, à tout de suite dans les commentaires, les amis. Ciao, ciao.